Monaco, ça vous le savez déjà. On est à la place des Armes avec la petite cathédrale qui est juste. Ouah, je suis pas bon, qui est juste ici. La place des Armes, en fait, il faut savoir que toutes les places principales dans les villes en Amérique du Sud s'appellent la Plaza de Armas. Donc là, on est au bon endroit. Donc on va aller visiter cette chose. Et puis cette chose aussi. En vrai, ça a beaucoup de charme, c'est très joli. Et puis on s'est renseigné pour aller au Machu Picchu. 90 euros le Machu Picchu, c'est cool. 90 balles, les mecs ils s'emmerdent pas. En gros, c'est 40 euros le billet. Et nous, on voulait y aller en voiture, sauf qu'on nous a dit en voiture, c'est 8 heures de route et c'est que de la piste. Donc on a dit, ouais, bon, on va peut-être prendre le bus alors. Le bus et le train. Et il faut marcher aussi. Bon, ouais, c'est très cher, mais c'est incontournable. On va quand même le faire. Et là, tout le monde me regarde évidemment parce que je suis en train de me filmer en public. Salut. Allez, let's go. Pour information, on est dans l'église qui s'appelle le temple de la Société de Jésus à Cusco. C'est assez stylé. On n'a pas le droit de prendre de vidéos ni de photos. Bon, on a fini à visiter les cathédrales, on a pris... Oula, je parle trop vite. On a fini la visite de la cathédrale. Et on a fait le choix de prendre un billet tout complet. Comme ça, on peut tout visiter. Et là, on se dirige vers un musée. Parce qu'on adore les musées. Non, on déteste les musées. Je trouve que c'est encore un musée de poterie en terre cuite. De l'art précolombien. L'art précolombien. Non, moi je préfère les bâtiments Grégoire aussi d'ailleurs. Non, je préfère bizarre. En tout cas, Cusco, petit coup de cœur pour le moment, c'est vraiment très sympa. Un peu touristique, mais vraiment très sympa. Donc on continue. Bon, on est dans un musée, mais on ne sait pas quel est le thème de ce musée. Donc c'est écrit Arzobispal. Ça veut dire quoi, Arzobispal? C'est le musée du mec. À Cusco. Enfin, c'est la maison en fait. La verse, de l'évêque, non? Non, de quelqu'un comme ça, d'un vagabond. Voilà. Donc en français, ça veut dire archiépiscopal. Donc on entend dans ce mot archevêque, donc c'est la maison de l'archevêque. Il se mettait plutôt bien. Qu'est-ce que je suis con. 3 euros. Monnaie péruvienne authentique. Il est 7h. On est dans le minibus. Il n'y a personne encore. On va être rejoint un peu par d'autres touristes, je pense. Et on va au Machu Picchu, tout simplement. Donc ça se fait en une journée et demie. Donc en gros, là, on part, on roule toute la journée. On marche aussi aujourd'hui. Et ce soir, on se retrouve dans un hôtel. Et demain matin, on se fait à 4h30 pour aller voir le Machu Picchu. C'est pas très beau demain non plus, on espère que le temps sera pas trop dégueu pour voir le Machu Picchu, mais bon, on verra. Bon, en attendant, on a je crois 5-6 heures de plus. Super enthousiaste. Déjeuner. C'est un buffet, mais on repart, on sait pas quand est-ce qu'on arrive.
prend le vent dans 2 heures. La route est très jolie, mais elle est assez longue et c'est dans la montagne. Donc Grégoire est un peu malade. Ça va mieux? Ouais, ça va. Ça va. Allez, c'est parti. Après 9 heures de route, on rejoint Agua Calientes. Donc on longe le chemin de fer. Comme vous pouvez voir, c'est un peu touriste de masse, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est pas dur. Si, j'ai filmé. Donc on en a pour, je sais pas, je crois qu'il y a 10 km, donc 2 heures. Et après, petit repos. L'hôtel qui est plutôt assez sympa, c'est pas dégueu, on a mangé, il est 22h30 et on a des bonnes nouvelles, enfin si vous vous en foutez mais pour nous c'est des bonnes nouvelles, c'est qu'en fait demain le Machu Picchu c'est de lever à 3h45 du matin. J'ai envie de chialer, mec. Non parce qu'en gros ça commence, on part à 4h, on doit marcher 1h30 donc on arrive. Enfin, on part à 4h, on arrive à 4h30 à l'entrée du Machu Picchu pour monter vers le Machu Picchu. Sauf qu'il y a la queue, donc du coup on doit faire la queue, donc ça dure une demi-heure. Ensuite on monte, donc il sera 6h quand on arrive. Et à 6h, il y a encore une demi-heure de queue, et ensuite on peut avoir accès à Machu Picchu pour 7h du matin et visiter Machu Picchu pendant 4h. Donc un peu violent, un peu vénère. Mais on adore ça, on est des passionnés. On kiffe. Donc on se voit demain matin à 3h45. Profitez bien de votre sommeil, parce que nous on a déjà plus que 5 heures de sommeil de nous. Allez, ciao ciao, à demain.